Bon, je vais encore en faire. Hein. C'était quoi? C'était le deuxième ou le troisième d'histoire? Bon, on va voir. Oui, donc ça, c'est pas celui-là. Les scandales, je manque. Il n'y a pas tant que ça de quiz à faire. J'ai cherché, j'ai eu du mal de trouver des quiz. Alors, qui était Saint-Louis, Louis IX? Quelle est la nationalité du terroriste Carlos de son vrai nom, Ilich Ramirez Sanchez? Ah, ça, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Quelle période historique japonaise a débuté en 1840? Meiji, je pense, l'ère Meiji. En quelle année a eu lieu la fameuse nuit des longs couteaux en 34? C'est quand c'est les nazis, là. Ça commence vraiment sérieusement, les nazis. Pas une période sympa. Dans quelle ville a été assassiné Martin Luther King? C'est pas New York, c'est pas Houston, c'est Memphis ou Dallas. Je sais pas. C'est pas Aung San Suu Kyi, ça c'est tout récent. C'est pas Barack Obama non plus. Alors Carter, je sais pas pourquoi il était plus aux affaires depuis 10 ans. Il a été président des USA en 74, je crois. Donc je dirais Rigoberta Menchú, je ne sais pas qui c'est. Quand a été promulguée ah bah ça l'édit de Nantes qui reconnaît la liberté de culte aux protestants. Quel journal américain a révélé le scandale du Watergate qui a abouti à la démission du président Nixon? Je crois que c'est le Washington Post. Ah, à moins que ce soit New York Times. Non, je crois que c'est le Washington Post. Qui est surnommé le boucher de Lyon alors c'est Klaus Barbie, durant la Seconde Guerre mondiale. En quelle année la Tunisie a-t-elle obtenu son indépendance? Je n'en sais rien. Oh, je pense que c'est en 56. Hein, après, c'est trop tardif, c'est trop tardif. Ça, c'est trop tôt. Donc, s'ils avaient mis 50, 60 et 63, là, honnêtement, j'aurais pas décidé aussi vite. Mais là, ça peut être que. Attends, je vais regarder quelque chose. Alors, où est-ce que je cherche? Alors, ce n'est pas la réponse là. Qui était le père de. Ah, bah, c'est pas Louis XIV, c'est pas. Ah, je dirais Pépin. Mais c'est pas Louis le Pieux, évidemment, c'est pas Louis XIV. Quel pays a donné son indépendance à la République du Congo, Congo-Brazzaville, en 60? Ben, c'était français, non, il me semble, le Congo. Ah, moi que. Attends. Non, non, c'est la Belgique. C'est la Belgique. D'ailleurs, ils ont fait une sacrée boucherie. Au cours de la guerre de Troie, au XIIe siècle avant Jésus-Christ, qui a tué Hector? Achille? Sur ça, c'est des dieux, donc. Honnêtement, c'est pas terrible. Hein. S'il a mis Ulysse, je sais pas quoi, ok, mais. Qui a été ministre, nommé secrétaire général des Nations Unies en 97? Ban Ki-moon, c'est trop récent. Kofi Annan, c'est Boutros Ghali, je crois. C'est soit Kofi Annan, soit Boutros Ghali. En quelle année s'est conclu le. Ah, en 82. Je dirais en 82. C'était. Période Thatcher, à moins que ce soit 90. Ah, oh, putain, il faut que je réfléchisse un peu là. Puisque il y en a beaucoup qui disent que Thatcher, elle a fait cette guerre pour redorer un peu son blason, comme souvent quand il y a une guerre, on arrête de gueuler après le gouvernement. Tant qu'il y a la guerre, c'est une espèce de trêve, donc les gouvernements font facilement la guerre pour qu'on leur foute la paix. Alors, 80, il me semble que c'était la grève des mineurs. 90, ça paraît vieux, trop tard. Non, c'est 82. C'est 80, 82 ou 80, mais c'est pas.
Alors, péruvien, vénézuélien, colombien. Je dirais colombien ou argentin. Non, honnêtement, là, c'est plus du hasard qu'autre chose, hein, ma réponse là. Ah. J'hésite entre Memphis et Dallas. Je n'hésite pas avec New York, ça, je suis quasiment certain que ce n'est pas New York. Dallas et Kennedy, est-ce qu'ils auraient tué deux personnalités comme ça au même endroit? Je vais mettre. Et Houston. Houston, on a un problème. Donc je m'attends à une faute éventuellement ici, là, la 14. Là, je crois pas que ce soit faux, ça. Ça, je suis pas sûr, mais honnêtement, je vois pas comment je pourrais avoir faux. Ça, je suis persuadé que c'est ça. Ça, j'ai un doute. Ça, c'est sûr, puisqu'on l'a vu tout à l'heure. Ça, je ne sais pas, mais c'est pas Obama, c'est pas Aung San Suu Kyi. Et je vois pas pourquoi Carter l'aurait eu. D'ailleurs, c'est ridicule de donner des prix Nobel de la paix à à Français ou Américains, parce que c'est loin des anges. Ok. Bon. Ok, donc alors la solution, les résultats. 10 sur 15, j'en ai fait tant de fautes que ça? Ouais, bon, ça, je ne se connaissais pas. Hein. Ça, moi, c'est pas un problème d'avoir faux ça. Ouais, ça. Ah, j'ai hésité avec Memphis. Et pourquoi j'ai pris Houston? Aung San Suu Kyi, 191? Ah putain, alors là, je suis sidéré. C'est si vieux que ça? Ah ouais, ah oh putain. Ah là, d'accord. Ah, je pensais que c'était beaucoup plus récent. Ouais, donc ça j'ai juste comme prévu. Ah, c'était. Quand est-ce que c'était belge le Congo, non? Il y a eu le Congo belge. J'ai un problème là. Non mais. Congo-Brazzaville, attends. D'accord, oui, donc il y avait deux Congos.
Ouais, d'accord, je. Ah, c'est que j'hésitais, de toute façon, je. J'étais pas sûr. Hein. C'était le quatrième, hein, ça. Donc, je vais changer, je vais faire un petit.